On est donc reparti. On a le Sunbeam qui arrive dans 40 minutes. Moi, d'ici là, dans le principe, je crois me souvenir qu'on avait trouvé un. Ah, attendez, est-ce qu'on l'avait trouvé en entier ou pas? Peut-être pas en fait. Ça, c'est ce qu'on a. En gros, ce que j'aimerais faire pendant ces 40 minutes. Bah en fait c'est de commencer à avoir certains équipements, notamment peut-être le découpeur laser qui avait l'air assez intéressant. Le constructeur d'habitat, c'est vrai, je voulais aussi le construire. Et en vrai c'est à peu près tout. Ça, pas forcément en vrai. Je pense qu'on en aura besoin à un moment, mais pour l'instant, moi je peux avancer sans, j'ai l'impression. Une lampe torche en vrai, ça pourrait être sympa, mais il faut des piles, c'est chiant. Voilà. Donc en gros, F8 pour faire un retour sur le jeu, oui. En gros, voilà les objectifs. Et en sachant que j'ai déjà une pile de plus, ou est-ce que c'est celle qui est là-dedans? Attendez. Ah non, j'ai déjà une pile de plus. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors je sais pas d'où sort cette pile parce que je me souviens pas d'en avoir créé deux. Ou alors je l'avais créé pour un autre objet. Ça je me souviens plus. Ce qu'on va faire avant de partir, c'est qu'on va se prendre de quoi boire et de quoi manger. Comme ça, on va pouvoir partir tranquillement chercher des. Donc ce que j'aimerais, c'est ça. Non, si, voilà. Du coup, il nous faudrait de quoi refaire des piles. Pile, batterie haute capacité, ça j'imagine qu'on en aura besoin un jour, mais pour l'instant on va s'en passer. Un kit de câblage, il nous en faut un. Je l'avais déjà mis. Et puis voilà, en gros. En gros, voilà. Donc faisons juste déjà un petit tour pour choper de la nourriture, ça va prendre 2 secondes. C'est plutôt de quoi boire à chaque fois qui me met en panique. Je trouve qu'on galère beaucoup. Hop, je vais en prendre un certain nombre. Quitte à en créer plus, je les conserverai ailleurs. Hop, je galère, c'est bon. Quand un item requiert une pile au craft, même si la pile est vide, une fois l'item craft, elle sera entièrement chargée. Ah! Alors ça, tu vois, c'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir, mais attendez, d'ailleurs, pourquoi j'ai mis ça? Attends, c'est une pile ça? C'est pas une batterie? Ah oui, non, pardon, j'ai oublié que c'était ça le dessin qui représentait. Hop. Ok, je vais juste reprendre un ou deux poissons, et puis... Hop, et puis on sera bon. Maintenant, il me faut de quoi boire. Hop, de quoi boire. Oui, toi. Ah, mais ça va, il y en a plein là cette fois. Oh, mais génial. Bah, je vais tous les prendre comme ça nous en fera plein. Je trouve que c'est vraiment pas si simple à trouver que ça. Hop, allez, on va cuisiner tout ça. C'est presque dommage, alors après peut-être que je rate quelque chose, mais c'est presque dommage qu'il n'y ait pas un moyen de passer le temps. J'aurais presque aimé qu'on ait un moyen de passer un petit peu le temps. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors attendez, en fait ce qui est un peu chiant, il y a un truc qui me dérange un peu dans leur interface par contre, c'est que les éléments souvent se rentrent dedans, et là notamment bah, je vois pas le premier schéma que j'ai coché. Donc c'est quand même hyper bête. Il y en a un plus tard dans le jeu. Ah, génial, ok. Ok. Bon, faisons de l'eau. Faisons de l'eau en masse. Hop, on va faire. On va créer toute l'eau qu'on peut. Voilà. Et
En vrai, je vais peut-être créer ça parce que la dernière fois, on s'est retrouvé avec des poissons qui étaient pourris. Donc, de toute façon, là, il faut que je mange, il faut que je bois. Je vais faire un de chaque. Ah oui, mais du coup, ça m'utilise des dépôts de sel, ok. Donc là, je vois l'intérêt des dépôts de sel. Voilà, et puis tout le... Enfin, pas tout le reste, mais je vais m'en faire un ou deux comme ça. Oui, en fait, je suis en train de capter que ça vaut pas le coup de faire tant de bouffe que ça. Parce que juste, ça va périmer. Voilà. Hop. On va bouffer ça. Et on va boire tout ça. Voilà. Et finalement, on se soigne. Comme ça, on est tout bon. Je vais me cuisiner un poisson de plus et on sera bon. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai plein de ressources partout. Et il faudrait que je construise de quoi ranger tout ça. Parce que là, je vais pas partir avec tout ça. Et dehors, je crois que mon truc a plus beaucoup de place non plus. Il n'a plus de place, tout simplement. Donc, si j'ai de quoi, j'aimerais bien construire. J'ai de quoi. Parfait. Hop. Oh, comment je déteste ça, c'est vraiment très compliqué ce truc de... Enfin, c'est pas compliqué, mais ça me stresse. C'était pas le constructeur d'habitat tout en haut. De quoi parle-t-on? Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Hop, je vais juste poser ça là. Ah oui, il est là. Ouvrir le stockage. Et on va tout déposer en vrai, hein. Ouais, on va tout déposer. Ça, je garde. L'œuf, il me saoule, donc je vais aussi le dégager. Et voilà. La pige, je la garde. Voilà. L'extincteur, je le dégage. Hop. Comme ça, on est bien. Ah oui, pardon. C'est possible. Bon, en vrai, je vais regarder tout de suite, hein, c'est... Il suffit juste de regarder, mais c'est vrai que c'est pas très pratique que ce soit caché derrière. Oui, c'est ça, c'est le constructeur d'habitat. Donc pour le constructeur d'habitat, on avait tout sauf le kit de câblage. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais moi. Ça, j'aimerais bien l'avoir, mais putain, ça demande pas mal de choses quand même, hein. Du verre, je sais plus si on en a. Faudrait presque que je me fasse une liste de mes ressources parce que je suis toujours en galère de savoir ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Bon, ça on verra un peu plus tard. Je pense que déjà on va faire le reste si possible. Ce sera déjà pas mal. Et puis ouais, ensuite on verra. Ouais, ok, tout ça c'est bon. Très bien. Bonjour Docteur Sunshine. Ok. Alors non, je dis ok, mais je pense qu'on a déjà certaines ressources. Genre clairement pour créer une autre pile, à mon avis. Qu'est-ce qu'il nous faut? Du minerai de cuivre. Est-ce que j'ai du minerai de cuivre quelque part? J'en ai tout à fait, il m'en faut un seul. Hop, et les champignons, on en a partout. Ce sera un truc de fait. Voilà. Comme ça, on a une pile de plus, ça c'est cool. Et caoutchouc en silicone. En fait, je vais peut-être créer aussi une super batterie. Comment on fait ça? C'est avec les graines de vigne et j'en ai juste dehors, donc ça c'est cool. Hop. Comme ça, on va créer du coup. Tac. Et on crée une batterie haute capacité. Je te conseille d'utiliser les piles usées. Ah. Bon, du coup, je crois que c'est trop tard vu que je suis allé un peu trop vite. Mais ok, bon, je le saurai pour la prochaine fois. Dommage, dommage, dommage. Oui, j'aurais dû changer la pile là et le faire après. Ok, bon, c'est pas grave, je le saurai pour les prochaines fois. Bon, bah, c'est cool. Donc, une batterie aux capacités, j'en ai plus besoin. Je vais l'enlever.
Non, ça c'est la pile normale. Mais la pile normale en vrai, je vais peut-être en créer une autre. Oui, je vais en créer une autre. Donc il me refaut du cuivre. Hop, et deux champignons. Tac. Voilà, comme ça on est vraiment équipé pour partir un petit peu loin. Voilà. Nous avons une pile. Et puis, donc la pile, voilà, c'est dégagé. Et voilà, tout le reste c'est bon. Juste pour ça. Alors, du plomb, je crois qu'on en a. Du lubrifiant, je sais plus si on en a, mais on en a pour en faire facilement en tout cas. Du verre, comment on fait du verre déjà? Avec du quartz. Du quartz, on en a en masse, donc c'est bon. Et les lingots de titane, il nous faut x10 titane. Bah attendez, peut-être qu'on va créer le Simoff alors. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a presque tout pour le faire. Les 10 de titane, je suis pas sûr. Mais le reste, franchement. Lubrifiant, voilà, on a de quoi faire. Le verre, en théorie, je pense qu'on a de quoi faire. Je peux pas l'ajouter, c'est pas grave. Et du plomb, je crois qu'on a. Alors, regardons dans nos coffres. On a. Alors, prenons tout le titane. On a du quartz. Donc, le quartz, c'était pour faire du verre, je crois. Ok. Là, j'ai quoi? J'ai du plomb. Voilà, j'ai un de plomb. C'est ce qu'il faut. Encore du titane, il nous en faut. Voilà. Et là, on a encore un peu de titane. Et le reste, a priori, on est tout bon. Et il nous faut une graine d'orin. J'ai pas pris. Si, j'ai pris la graine. Donc on va tout de suite transformer en lubrifiant. Ah bah oui, j'ai laissé des débris métalliques dans mon coffre. Ah bah génial. Parfait. Oui, j'étais en mode je vais aller les chercher. Mais vu que j'en ai déjà, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire deux trucs de verre, si je ne m'abuse. Il me faut du quartz, c'est pas grave. Du lubrifiant. Ça, c'est bon. Et il me faut donc du titane. Voilà. Donc, combien il me manque de quoi? Du titane, 2, 4, 6, 8, 9. Il m'en manque 1. Le lubrifiant, c'est good. Donc il me faut du quartz je crois pour le verre. Bah c'est tout. Il me faut juste du quartz et du quartz j'en ai si je me trompe pas. Oui. Je devrais craft la baie de véhicule avant. Je me suis posé la question, j'avais pas envie mais je me suis posé la question. Ok bon bah on va faire ça. Hop, bon je me crée le verre, il m'en faudra de toute manière. Et par contre cette fois, ah, j'ai de quoi prendre la lampe torche. Ouais, mais des piles. Bon, ça on verra plus tard. Il faut que j'aille chercher parce que là j'ai plus de. Non, il me faut des débris. Allons chercher des débris. Je sais plus où il y en a, mais on va trouver, j'imagine. Ah yes. On va en chercher pas mal puisque de toute manière il nous en refaudra du coup pour la baie et pour le véhicule. Je sais plus où c'était qu'il y en avait pas mal. C'était pas là. En gros c'était l'endroit où il y avait une autre cap. Ah bah là, hop. Une autre capsule, sinon juste la. Je la marquerai, mais c'est bon, j'ai l'impression qu'on aura pas mal. Est-ce que j'ai de la place encore? Non, je n'ai plus de place. Bon bah, rentrons. Rentrons avec ça déjà. Bon, c'est cool parce que la dernière fois que. Enfin, pendant le précédent stream. J'aimais bien le jeu, mais j'étais quand même un petit peu pas 100% sûr de 100% kiffer tout.
Et en vrai, je commence quand même à pas mal rentrer dedans. J'ai pas pu streamer plus tôt, mais j'avais quand même un petit peu envie de streamer plus tôt. Donc je pense que je commence quand même à rentrer dans le truc. Qu'est-ce qui me manque? Bah, les lingots de titane, parfait. Hop. Trop cool. Donc, la baie d'amarrage. Alors, j'imagine qu'il faut poser ça dehors. On va le mettre un peu à côté. Ah, c'est tout? Ah oui, c'est vraiment tout petit. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, il me refaut du lubrifiant. Pour ça, il me faut... Je crois que j'ai quelque part... Ouais, c'est dans le... C'est ici que j'en ai de quoi faire. Hop. Ça veut rien dire ce que je dis, mais on se comprend. Donc, lubrifiant, ça c'est good. Il me refaut du titane. Normalement, je vais avoir de quoi faire. Quoique, je sais pas si j'en aurai assez. Si je vais en avoir assez, parfait. Le verre, c'est bon. La super batterie, je crois que je l'ai utilisée donc pour la baie. Ce n'est pas grave. Hop. Donc, il me manque juste la super batterie, en fait. Et donc, pour la super batterie, il nous faut... Hop. Oublie pas d'utiliser les bonnes piles. Tu fais très bien de me le dire parce que j'allais oublier. Et tu fais bien de me le dire parce que là, il me reste une pile. Donc, je vais remplacer. Je vais utiliser l'ancienne de ça. Bien joué. Très, très bien joué de ta part parce que j'allais encore oublier. Attendez, je dis ça. Non, je dis ça, mais en fait, je vais quand même créer une deuxième pile, quoi qu'il arrive, parce que... Parce que... Bah, je veux une pile. Je veux une pile en plus. Hop, ça c'est fait. Donc il me faut... Attendez, là j'ai combien de piles? Oui, voilà, quoi qu'il arrive, il faut que j'en refasse une. Alors, j'ai encore de quoi faire, je crois. Donc je vais en faire deux. C'est bon, j'y arrive. Hop. Donc là, on prend 4 champignons. Boum. Comme ça, en gros, je veux toujours en avoir une pour remplacer dans mon petit machin, là. Et une de plus. Donc, une pile. Deux piles. Je vais écouter la radio et ensuite on crée le vaisseau. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Ok. Très bien. Ça, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est ça. Ok. Tu peux remplacer ton scanner aussi. Ah ouais? Enfin, en mode genre recréant. Mais est-ce que... Ah, mais en fait, tout est composé de piles. Purée, j'avais oublié déjà. Ah ouais. Mais c'est fou cette histoire. Ok, trop bien. Trop bien. Et ben c'est parti pour... Alors, où est-ce que je le... Ah mais c'est à la baie d'amarrage qu'il faut que je le crée. Comment je le crée ce truc là? Enfin, où est-ce que je le crée?
Ah oui, ça doit être à la baie, j'imagine. Ouais, dehors. Ok, hop, véhicule, bam. Certes. Let's go! Il est tout petit, comment il est trop mignon. Waouh! Hyper cool. Hyper cool. Bon, le truc à prendre en compte, du coup, c'est par contre celui-là, je le transporte pas dans mon inventaire, quoi. Ok. Et est-ce qu'il faut que je le range quand je rentre? Oula, je me suis défoncé le vaisseau. Oui, non, juste je le laisse n'importe où. J'ai l'impression. Pareil pour la nature, pas en salaison, il y a une durabilité. Ouais, ça, ça du coup, je l'avais capté la dernière fois, j'ai mangé. Oui, bah d'ailleurs, c'est sur. Enfin, c'est pas sur la fin encore, mais bon. Je vais le garder dans mon inventaire. Ah, je peux pas. Dommage. Dommage, dommage, ok. Ok, bon, bah c'est super. C'est super. Hop, ça, ça dégage. Et ça, ça dégage aussi. Donc là, ce que je veux. Ah ouais, il faut deux de diamants. Je crois que j'en ai qu'un. Je sais plus où, mais je crois que j'ai qu'un de diamant. Bon, ok. Et ça, c'est le kit de câblage et minerai d'argent. Ok. Bon, en fait, ça, ce qui me fait galérer pour l'instant, c'est que vu que j'ai des trucs rangés à 15 endroits différents, je suis un peu constamment en train de me demander si j'ai ou pas telle ou telle ressource. Ok, du soufre on en a. Faut que tu fasses attention aux collisions avec ton Simos, il est pas incassable. Ouais, j'ai vu ça. Quand je suis rentré dans le truc, je me suis. J'ai capté que c'était pas bien. Mais en fait, j'ai pas un diamant. J'étais persuadé d'avoir un diamant. Bon, ceci dit, là, il va falloir que je me bouge peut-être pour commencer à aller au point de rendez-vous. Ok. Bioréacteur. Bon, tout ça, on verra un autre jour. Panneau solaire, oh là là. Ouais, ça, ce sera plus tard. Putain, mais c'est fou, en fait, la quantité de trucs qu'on commence à avoir, là. J'avais pas capté. Mais tout ça, là, pour l'instant, j'imagine que ce sera plus tard quand on pourra créer une station, quoi. Ouah, c'est un peu vertigineux, là, ça me fait un peu flipper. Trop, trop de choses. Trop de choses, ok, bon. Réfléchissons. Est-ce que j'ai du diamant quelque part, quand même? Checkons ça. Pas de diamant là. Et là. Bah pas de diamant. J'étais persuadé d'en avoir. Dommage. Ok. Bon, je vais ranger ces trucs là donc. Et puis voilà. Bon, c'est dommage. Du coup, on va repartir. Dans la pénombre. Mais c'est pas grave. Oula. J'ai l'impression qu'il y a un poisson qui. Qui s'est pris mon véhicule. Encore. Ah oui, et donc j'ai un maximum de 200 mètres. Ah oui, mais attendez, ça c'est à 300 mètres de profondeur? Est-ce que je comprends bien ce qui se passe là? Genre, est-ce que ça pue la merde ou pas? Ah! Mais du coup, je suis dans la merde là. Comment je peux aller aussi profondément? Oh là là, on n'est jamais allé aussi loin. Tu auras des moyens de le faire plus tard. Ok. Bon, je veux juste me rapprocher. Pour voir dans l'idée. Oh, ah ouais, ça commence à être profond là. Hein.
Hop, on va bientôt s'arrêter. Je veux juste voir, j'imagine ça fait juste des dégâts au... Ouais, ok. C'est noté. Bon, on commence à avoir un peu trop de dégâts. D'accord, mais du coup le Sunbeam, c'est à cet endroit? Non, c'est pas à cet endroit en fait qu'il va arriver, c'est ailleurs. Ok, le truc c'est que là mon vaisseau il passe pas là-dedans. Au point bleu. Ah, mais je suis un idiot. Ah oui, ok, j'ai confondu. Waouh. Très très impressionnant, très chouette. Oh merde. Ah non, mais même les petits poissons ils font mal. C'est fou. Ok. Ah ouais, qui pend un peu. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je pensais... j'avais vu ce truc-là en plus. J'ai fini par oublier. Bah on va y aller, on va voir s'il y a des choses intéressantes à regarder. Les PV de ton sous-marin sont en bas à droite, faudra que tu répares. Ouais. Bah dès qu'on arrive au lieu d'atterrissage, j'imagine c'est avec l'outil de réparation. C'est assez marrant quand même à quel point, à quelle vitesse on a gagné de la vitesse en fait, de déplacement. Ça c'est assez cool pour le coup. Oh, c'est quoi ça? Attendez. Or, ah, dommage. Juste reprendre une coque. Poisson collier. Ok, je te laisse tranquille. En effet, je le ferai bientôt. Ok, putain, c'est profond là encore. Hein. Ah oui, voilà. Il disait que c'était une terre submergée pour le coup. Oh, ah ouais! Ah oui, c'est une vraie terre immergée, ouais. Je sais pas à quel point je peux monter dessus. Pas trop, j'espère que je l'ai pas coincé. J'espère que je l'ai pas coincé. Je l'ai coincé, c'est ça. Oh non! Putain, je suis trop bête. Mais en plus, j'ai hésité. Je suis trop bête. Bon, on verra plus tard. Alors, trop drôle. Je savais pas qu'il y avait des parties immergées comme ça dans le jeu. Oh, c'est quoi ça? Oh non, je suis dégoûté. Tout ce temps pris pour construire un truc et le faire s'échouer sur la terre. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai fini par rouler le scan. Blablabla. Bla bla.
Attends, quoi? Insérer tablette? Ah, il faut que je construise la tablette. Ok, bon bah pas maintenant. On n'a pas de quoi faire. Waouh! Buvons. Vital signs stabilizing. Hop. Ok, bah on va un peu explorer. Alors c'est bien parce que le cube on l'a. Le cube ionique là ou je sais pas quoi. Ionique tout à fait. On l'a. Le problème c'est qu'on n'a pas encore de diamant. Oh! Excellent. Bon bah parfait, ça résout notre problème. Ça résout notre problème. Excellentissime. Je vais quand même finir de faire une petite visite. Et après. Après on ira quoi tranquillement? Aïe! Mais t'es fou toi! Ah non, il commence de nouveau à faire nuit vraiment. Bonjour Fameboy Humper. Don't die, en effet, en effet, en effet. Vous voyez là, c'est le moment où je suis un peu deg. De pas avoir de lampe torche. Je vais ramasser les bolets. Ah, mais stop! Ok, je vais pas trop traîner parce qu'on a plus que 7 minutes quand même. Ouais, là, je vais pas le tenter parce que j'y vois vraiment rien. Est-ce que. Ah, ça marche! Excellent. Je pensais que ça marcherait pas en extérieur. On va essayer de pas se perdre, mais là pour l'instant ça part très très bien sur sur le merde, sur le fait de se perdre. Oh, mais laissez-moi tranquille. Si je me perds, je vais être très très heureux d'avoir pris la décision de ne pas créer le truc pour se repérer dans les cavernes. Clairement. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Cube ionique. Ah, je l'ai pas avec moi, dommage. Dommage, je ne l'ai pas avec moi. Ah, mais stop. Heureusement, ils font pas trop mal. Ok, putain, mais c'est ouf. Là, il y a clairement un délire de portail, quoi. C'est pas. Je sais pas vers où, vers quoi, vers comment, quoi. Mais intéressant. Ah, je suis un peu deg de pas avoir pris le cube ionique, du coup. Ça aurait été intéressant de voir ce que ça allait faire. Bon, on va ressortir. Parfait, nous avons trouvé la sortie. Ah bah oui, ok, on a juste fait le tour. On va monter, puis après on ira. Ah bah c'est tout. Ok. Ok, d'accord. Non, 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 non. Bizarrement, j'imagine qu'il y a des dégâts de chute, hein, donc on va éviter de tomber bêtement. Parce que là, non, non, on va repasser à l'intérieur, hein. J'ai vraiment très très peur de faire une bêtise.
Je prends pas de risque parce qu'en fait, vu que je ne connais pas la hauteur des dégâts de chute, j'ai pas envie de faire une bêtise. Voilà, bon bah c'est bon, je les connais. Je les connais, et ben, on prend très très vite des dégâts de chute. Hop. Donc, on va poser la tablette vite fait. Il nous reste 4 minutes. En fait, le truc, c'est que je sais tellement pas ce qui va se passer dans 4 minutes que j'ai peur de perdre du temps. Hop. Incroyable. Incroyable. This structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. Wow. No match is found in database. Performing structural analysis. Ah ok, tu me conseilles de pas me lancer dans l'expo. Ok. Ok, ok. Je comprends. Bon bah parfait. Merci pour le tips. Comme ça, on va tranquillement attendre ça. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas beaucoup. Ah merde, ma bouffe. Ouh, parfait. Allez hop, on la consomme maintenant. Ah oh, oh non. Mais quoi? Oh merde, fais chier. Fais chier. Fais chier, fais chier. Ok, est-ce qu'on va avoir un pochon? Mais oui, mais merde. En fait, j'ai des pochons, mais j'ai pas de quoi crafter. Ah, j'ai chié là, non. Ah, elle était décomposée déjà. Je suis trop bête. Je suis trop bête. J'ai cru qu'elle l'était pas justement. En fait, vu que j'ai vu la... Ah merde. Comment je fais là? Bah... Et en plus, j'ai pas de quoi me soigner. Oh, comment ça pue la mort. Le truc, c'est que là, la navette, elle est vraiment trop loin. Enfin, je vais pas... Ah oui, mais en plus, j'ai plus ça. Oh, tape les arbres avec ton couteau. Oh. Ok. Oh. Ah purée, trop bien, merci. Merci. Ah, c'est pour ça que ce genre de... Enfin, ça aurait été pas la mort si j'étais mort. Mais j'avoue, ça aurait quand même un peu fait chier, quoi. C'est pour ça que c'est quand même cool de faire ça en stream. Oh, mais comment c'est trop bien, ça? Fou. Bon, bah parfait, génial. Merci beaucoup. Bon, ceci dit, ça fait toujours très très chier que j'ai bloqué ça, là. Ça, vraiment, quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur. Je le répare pour aucune raison puisqu'il est coincé, mais bon. Ok, bon bah attendons. Hein. J'imagine que ça va arriver du ciel, mais je suis même pas sûr. J'ai fait pareil avec mon premier. Bah en fait, tu sais, en plus, de plus en plus dans les jeux, t'as de moins en moins de moyens de coincer un véhicule. Oh. Oula. Ça pue, ça. Oh non, il va exploser le vaisseau. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Mauvaise idée. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Ils vont se faire exploser. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. Non, les amis, vous allez vous faire exploser. Oh. Ah non, mais ils sont pas explosés, qu'est-ce qui se passe? Si.
Ouais, c'était sûr, hein. Super, pourquoi j'ai ça dans la main moi? Eh ben ça fait plaisir, ça c'est nouveau non? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, waouh. Waouh! Putain, ça c'est du vaisseau alors. Ça c'est du vaisseau. Et comment. Enfin, combien de. Ah non, mais ça c'est juste le moteur! Ah, ok. Bon, stylé ceci dit. Incroyable là! C'était fou. C'était un peu flippant. Un tout petit peu flippant. Ok. Bah, j'ai envie d'aller visiter. On va voir. Je vais faire attention. Mais je pense qu'on va. Maintenant que cet événement est passé, on va vite fait aller voir ce qu'il y a là-dedans. Mais j'ai peur qu'il y ait des choses pas très sympathiques. Oh. Succès, trouver la plateforme armée. Alors. Wow, ok. Ok, d'accord. Incroyable. Oula, non, on va pas sauter. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Faisons, faisons, faisons. Ah, génial. Attendez. Ah oui, je l'avais pas analysé la première fois. Trop bien, ça nous en fait deux. Boum. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. J'ai peur. J'ai peur parce que c'est quand même bizarre qu'on nous laisse prendre tous ces trucs sans conséquence. Je pense qu'on va se prendre un petit retour de bâton. Alors, plan de la plateforme armée. Je lis ça un peu en diagonale, hein, je le lis, mais. Ah oui, d'accord. Donc de matériaux se trouvant hors de la planète. Incroyable. Ok. Ok. Bon, on n'est pas. A priori, on n'est pas sur une race alien qui est très sympa. Enfin, qui est très sympa, en tout cas qui part plutôt sur. Oh! Je m'étais rapproché doucement en mode je pense que ça va genre ralentir ma chute ou je sais pas quoi. Mais le jeu m'a pris dans le truc. J'y étais allé tranquillement.
Oh. Ok. J'aime bien ce qui se passe là. Je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Ok, ça j'ai l'impression que c'est pour remonter. Allons voir ce qu'il y a là. Ah oui, en effet. Bon, ça c'est juste une entrée. Ah, j'aime pas! J'ai peur. Attendez, je veux juste aller voir vite fait ce qu'il y a là. Je vais pas y rester longtemps, j'ai pas assez d'oxygène, mais Putain, j'ai hyper peur là. Ça me fait très très peur. T'es pas le seul à pas aimer ça, ok. C'est trop sombre. Allez, je me barre parce que j'aime vraiment vraiment pas. C'est. Ça me fait vraiment peur. Genre, ça me fait plus peur qu'un. Limite qu'un jeu qui serait là pour faire peur. Hop là. Ok. Bon, de toute manière, je voulais juste voir pourquoi il y avait une structure alien dans la flotte. J'ai vu ce que je voulais voir. Oh. Ok. Ok, très bien. C'est vraiment très peu accueillant cet endroit. Putain, mais c'est tellement grand. C'est tellement, tellement grand. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on va être blindé en termes de cube ionique. J'espère qu'on a de la place. On a de la place. On montera après, mais. Ah oui, voilà, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose par ici. Ok. Bah attendez, ça veut dire que dans la salle qu'on a vue, il fallait juste un cube ionique, mais j'imagine que c'est pas juste un moyen de se téléporter d'un point A à un point B. Je pense qu'une fois qu'on sera sorti de cette structure, j'irai retrouver le portail qui était dans la grotte. Oh non! Ah non, c'est une tablette, pardon. Je pensais que c'était un emplacement de tablette et j'étais genre. Je n'ai pas de quoi faire. Je sais pas si à un moment on aura. À part extraterrestre. On aura de quoi crafter en déplacement. J'imagine que oui. Mais j'ai très hâte que ce moment arrive, justement. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu contraignant de pas pouvoir crafter en ce moment. Ok, et eh ben allons-y. Je sais pas où on va là. Ça m'effraie un peu. Ça m'effraie un peu. Ok, on est arrivé visiblement. C'est parti! Quoi? The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. OK. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Ok. Ah oui, ok, donc il y a plusieurs points. Donc ça, j'imagine, quoique. Non, attendez, je sais pas.
Excellent ça, très très rassurant. Ok, bon enfin je comprends pas si genre le laboratoire de recherche c'est dans les cavernes qu'on a vu juste à côté. Mais je pense pas parce que profondeur 800 mètres, oh, mais c'est énorme profondeur 800 mètres. Je suis en train de capter là. Je suis en train de capter. Ok, d'accord. Je vais sauvegarder, tiens. Ça fait longtemps. Ok, bon bah on a vu ce qu'on avait à voir, j'ai l'impression. J'ai juste pas trop capté ce truc de. Mais attendez, comment je sors? Il faut que je refasse tout le tour là? J'imagine que oui. Et c'est là que tu te rends vraiment compte que c'est un jeu sous l'eau. Ouais, c'est ça. Parce que nous là déjà, on peut pas. Enfin, c'est compliqué d'aller en dessous de 100 mètres. Est-ce qu'on va descendre en dessous de 1000? Il y avait 1000 mètres? Je sais plus combien c'était. 1200 même? 1200. C'est ok. Oui, parce que là on est déjà à 92 mètres de profondeur. Je me tâte à ressortir par là. Mais ça me fait tellement peur en fait cet endroit. Parce que, on va pas se mentir, j'ai entendu parler d'un très gros poisson à un moment donné. Du coup, j'ai toujours un peu la menace de ce très gros poisson vu que je ne sais pas quand il vient. J'ai toujours la menace de ce très gros poisson, quoi. Dans un coin de mon esprit. C'est quoi ça? Oh! Ok. Qui a vendu la mèche? En vrai, personne n'a vendu la mèche, c'est moi qui l'ai. Enfin, bien avant de commencer le jeu. J'avais pas vu grand-chose du jeu, mais j'avais entendu parler de ce truc. Mais encore une fois, vu que je sais pas quand il arrive et enfin tu vois ça, je me prendrai quand même une grosse surprise dans la tronche le jour où il arrivera quoi. Ok, bon bah nous revoilà là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même le fait qu'on va devoir faire 1200 mètres avec ça là. Hein. Bah, c'est pas très marrant ça. Ouais, c'est encore plus terrifiant, je suis. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, c'est pour ça que la grosse ouverture là dans le noir, j'étais en mode. J'ai vraiment pas envie de la tenter. Hop. On va juste remonter voir le portail qu'on avait croisé. Comme ça, on l'active avec les cubes qu'on a. Et à partir de là, on verra ce que ça donne. Il va juste falloir retrouver l'endroit. Pour l'instant, je suis sur le bon chemin, mais je suis plus sûr de la fin. Ah bah non, mais c'est juste là. Tout simple même. Regarde bien les murs dans les grottes. Ok. Je referai un tour juste après ça. Ah! Oh! Ah! Oh, stop! Mais toi là. Laisse-moi tranquille. Voilà. Bien fait. Ok, je fais un petit tour et puis on rentre dans le portail parce que ça me fait un peu peur. Je sais pas où ça va nous amener. Hop, je reprends du lithium, mais le lithium. Hein, quoique, j'arrive plus à me souvenir si on en avait dans les zones où on était tout à l'heure. Oh. D'ailleurs, je l'ai pas analysé, dommage. Dommage. Je vais pas trop ramasser de lithium tant qu'à faire.
Lithium, lithium, lithium. Remember, oh, the diamant, materials you oui. gather are the property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Oh yes, génial. Ça c'est chouette. Je sais pas si j'étais venu là la première fois. Ah si, quoique là il y a une ouverture. Hop, merci du tips de regarder bien les murs parce que ça aurait été dommage de rater tout ça. Quand même, en termes de diamants. En thème de diamants et d'or, ça n'arrête pas. Hop, génial. Oh, c'est trop bien. Oh, putain, mais c'est fou. Ça n'arrête pas. Attendez, je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris. Non mais par contre, on va s'arrêter là, je pense. Hop. Ok, 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 ok. Je regarde juste où on est parce que je comprends pas. Je vais reprendre un peu de fruits d'arbre. Ah bah oui, bah voilà, merci. Hop. Je vais jeter ça parce que ça me prend trop de place et ça pour le coup j'en trouverai partout. Enfin, on est d'accord que c'est... Enfin oui, c'est un débris classique. On va pas s'encombrer. Hop. Ça me redonne de la santé ou pas ça? Non. Donc on est full. Je vais même en reprendre avec moi deux. Voilà, et au pire je les jetterai si ça te prend trop de place. Oh, mais une tablette! Mais c'est fou! Comment j'ai pas vu ça? Ok, allez, on va aller voir le portail. C'est très addictif là, j'adore. Je suis en train de me perdre parce qu'en fait j'avais pas capté que c'était aussi grand. Mais c'est bien parce qu'on est en train de farmer un petit peu les ressources rares, donc c'est très très cool. Ah, inventaire plein. On dégage ça et puis de toute manière on commence à être bien chargé. Donc je pense qu'on va... On va arrêter de farmer. Je suis perdu. Trouver en masse les trucs que tu as mis longtemps à chercher, ça fait plaisir. Mais oui, c'est clair. C'est trop trop chouette. Hop, c'est trop bien. Mais bon, malheureusement, là, ça commence à être trop rempli. Donc je vais... je continue d'en prendre, mais de toute façon, là, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Alors, portail, on y va, c'est parti. Est-ce que ça va nous amener à notre mort? On verra. On y va. C'est très dangereux de faire ça avec toutes les ressources, mais bon. Ça va m'emmener à 800 mètres de profondeur, je vais être en mode... Pardon. Oh.
Je connais pas ça. Flotteur ancien, où ça? C'est un bug? Je suis à 0 mètre de profondeur. Mais ça, c'est parce que je suis dans une grotte et que je suis tellement loin que... Ah oui, ok, je suis vraiment ailleurs. Attends, mais je suis ailleurs où? Ah, je suis pas... Oh, je suis à 2000 mètres! Ah oui, ça, oui, c'est un bug, ouais. Oui, oui, c'était un peu bizarre. Ah, donc c'est un téléporteur entre des îles. Oh, waouh! Waouh, 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 waouh. Okay. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. C'est faux. Je vais juste aller faire une petite pause pipi. Et puis on continue. J'arrive tout de suite.